Espérons le mot, espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, le pilote de plus moche. Et que mon corps a fait une scène, et que ça me dit de triche. Je suis pendu à notre pire, dans la porte de l'air. Je ne suis pas le jardin près de vous, et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être dehors. Oui, bonjour, Jean-Pierre Battestini, secrétaire général de la CGT Autocorse. Donc on est là ce matin avec des actifs et des retraités, comme dans tout le pays, pour manifester contre la politique de Macron en général et plus particulièrement contre sa réforme des retraites. Puisqu'on sait bien qu'avec cette réforme qu'il veut faire passer de force, ce sera des baisses de pension pour tous les salariés, hein, quel que soit leur statut, le fait de calculer les retraites sur l'ensemble de la carrière, sans prendre en compte les questions de CDD, de chômage, alors qu'aujourd'hui on prenait sur les 25 ans, va automatiquement faire baisser les pensions de 30%. Donc on voit bien qu'avec cette réforme, Macron continue sa politique au service des riches. Hein. Il n'y a pas de changement social. D'ailleurs, il réduit les droits des chômeurs, il baisse les APL. On a vu encore qu'hier, dans le budget 2020, il prévoit de baisser les aides pour les personnes âgées pour avoir des aides à domicile. Et par contre, il ne touche pas à l'impôt sur la fortune. Donc sur sa question des retraites, on voit que c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur, puisque le projet de loi n'est prévu qu'après les municipales, pour des raisons tactiques. Donc on va s'employer tout au long de ces semaines et ces mois à amplifier la mobilisation, à l'élargir à l'ensemble des syndicats, pour que vraiment ce projet soit retiré, parce qu'on voit que partout où il s'applique, comme en Suède ou en Allemagne, les retraites ont baissé de 10 à 30%, et ce n'est pas acceptable aujourd'hui, lorsqu'on connaît le niveau des pensions qui a déjà été attaqué par les réformes précédentes. Donc on voit que c'est un mouvement qui va s'ancrer dans la durée, qui va nous permettre de battre Macron sur ce terrain social, parce que vraiment c'est encore le dernier acquis qui nous reste. On voit bien que la protection sociale aujourd'hui est dans le collimateur du gouvernement, avec des baisses de cotisations, des baisses d'impôts qui vont grever tous ces budgets sociaux. Et après, il ne restera plus que l'individualisme, ceux qui auront les moyens de souscrire des assurances privées. Donc nous, on ne veut pas de cette société-là, on ne veut pas travailler jusqu'à la mort, on veut que tout le monde ait un travail et vivre dignement de son travail et de sa retraite. Donc aujourd'hui, on va rejoindre la caisse de retraite, hein, parce que c'est quand même un symbole aujourd'hui. Et dans les semaines à venir, on va créer des débats partout dans les quartiers, dans les entreprises, pour que chacun prenne conscience de ce qu'est cette réforme. Parce que pour le moment, le gouvernement ne donne pas exactement le montant de ce qui versera avec cette réforme. Ce qui montre bien qu'il y a un saut dans l'inconnu qu'on ne peut pas accepter.